L'inbound marketing, aussi appelé marketing entrant, c'est un moyen qui est gratuit, entre guillemets, plus subtil et moins agressif, qui peut pallier la lassitude des consommateurs face au marketing traditionnel, donc outbound marketing. Le développement d'Internet, ça a totalement transformé le marketing. Aujourd'hui, les acheteurs, ils utilisent Internet pour s'informer et évaluer les différentes options à leur disposition. Beaucoup plus qu'avant, c'est très facile de trouver de l'information. Donc les entreprises, elles sont désormais obligées de s'exposer beaucoup plus à travers les moteurs de recherche, les blogs, les réseaux sociaux. Donc contrairement à l'outbound marketing, l'inbound marketing, ça a la capacité de générer des leads ou des prospects ultra qualifiés. Donc en fait, on veut attirer les internautes réellement intéressés par ce que nous proposons en leur rendant service, en répondant à leurs attentes, en leur adressant les bons contenus au bon moment. Et donc c'est une approche marketing qui vise à attirer les consommateurs en gagnant leur attention grâce à de la diffusion de contenus de qualité qui est gratuit, qui va les informer, les éduquer, leur apprendre, les inspirer. Avec l'inbound marketing, donc le consommateur, il est acteur car il choisit le message délivré par la marque. En fait, il donne sa permission. Contrairement à l'outbound marketing, à la télé, où on a de la publicité qu'on n'a pas forcément demandé, qu'on n'a pas recherché. Donc la marque et le consommateur, avec l'inbound marketing, ils se parlent, ils échangent mutuellement. Donc c'est bidirectionnel, contrairement à l'outbound marketing qui va que dans un sens. Il y a une recherche de dialogue en fait entre l'entreprise et les prospects. Donc la stratégie, elle passe principalement par une présence très forte sur Internet, donc sur un site Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc il y a plusieurs supports digitaux qui sont utilisés, qui sont les réseaux sociaux, le blog avec des articles. Donc on va jouer beaucoup sur le référencement naturel SEO. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de ça si ce n'est pas encore fait. Tout ce qui est landing page dédié, formulaire, l'emailing, les newsletters. Et vous avez plusieurs types de contenus, comme des articles de qualité qui sont viraux, des infographies, des livres blancs, des vidéos explicatives.